assez de tendre insouciance. Je l'ai gardé dans mon cœur. Je sors de la douche, Rap Kerim. Le stagiaire, je sors de la douche. Il y a quoi d'intéressant? Avec mon gros corps, qu'est-ce que tu prends en photo? C'était juste pour te montrer mon nouvel appareil que j'ai acheté aujourd'hui. C'est de l'argent que je t'ai donné hier? Ouais. Il t'a coûté combien? 160 euros. 160 euros? Ouais. Et ça, c'est les photos qui sortent directement? Ouais, ça va sortir direct. Mais y'a rien? Ça va sortir au bout d'un petit moment. T'as vu ces photos-là? À la fin de ton stage, tu les brûles toutes. Mais non. Faut que je fasse un exposé, faut que je montre ce trailer aussi. Tu vas faire un exposé sur mes photos? Ouais. Sur moi, en train de sortir, en train de filmer, en serviette? Ouais. Et il y a d'autres élèves qui vont voir ça? Ouais. Les mêmes? Ouais. Voilà. J'aime pas ça, voilà, j'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'aime pas ça. On a les mêmes chaussures. C'est Morgane, c'est ouais. Morgane, je te parle. C'est pas toi qui lui as demandé de t'acheter ça, j'espère? Non. Je savais qu'elle avait... Mais attends, mais tu lui as acheté deux paires? Deux paires. C'est quoi? Des hugs. Des hugs? Des filles pour l'hiver. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? Est-ce que ça se voit que j'ai refait mes lèvres? Est-ce que ça se voit que t'as refait tes lèvres? Naturel. Non, ça se voit pas. Hein. Non, ça se voit pas. On a mal pris. Voilà, voilà, on a mal pris. Non, mon frère. Attends. Écoute, soit vous êtes des fiottes, soit vous êtes des hommes. Attends, les gars. Tu composes combien? Combien? 2000 euros à gagner, rapporte n'importe lequel de ton équipe. Mais pourquoi? Attends, t'es venu la semaine dernière avec ton équipe. À la base, on a regardé ce que vous faites des pranks. Et là, c'est pas une caméra cachée. Ramène-moi ce que tu veux. Et t'as le courage de venir chez nous dire on donne 2000 euros à celui qui gagne mieux à la boxe. On est venu chez toi, carrément. Mais bagarre de rue ou bagarre de boxe? De boxe, de rue, comme tu veux. On peut commencer maintenant, même si. Il est arrogant, les gars. Attends, s'il vous plaît, les gars. Tu poses les 2000 euros? Je pose les 2000 euros. Je trouve quelqu'un qui le prend, qui lui met la tête au carré, tu poses 2000 euros. Je pose 2000 euros et je suis sûr et certain. Les gars, arrêtez, c'est bon. Voilà, dommage, je suis loin. Je leur ai niata. Je leur ai foutu une bonne raclée, tu sais déjà, mon bon vieux. Voilà, dommage, je suis loin. Michel, voilà, ça sert à rien. Ah, Michel, c'est demain le compas. C'est bon. Ah, juste l'écoute pas. Voilà, l'écoute pas, mon frère. Ah, c'est pas, arrête de narguer. Voilà, dis-lui qu'il arrête de narguer. Ah, t'as vu, lui, il est vieux. C'est bon, Michel. Michel, hein. J'ai trouvé la personne qui demain va t'enculer. Cette personne-là, elle est originaire d'un pays où on frappe les gens pour vivre. Cette personne-là, elle est déterminée. Et je sais qu'elle fera pas honte à la Team Nasdas. Car cette personne-là, c'est Charlie Jaguar. Je vais l'enculer! Voilà! Voilà! Oh, Charlie l'a dit, je vais l'enculer! La réputation de la Team Nasdas, elle est entre tes poings. Faut pas vous inquiéter parce que je vais le manger. Voilà, 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 voilà. Toi, demain, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Demain, je vais t'enculer. Tranquille. Charlie, tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'ennuie quand tu ne mets pas de story. La chaîne, je suis en train de préparer un truc. Oh, peut-être qu'après ce truc, je vais arrêter les réseaux sociaux. Tellement ce que je suis en train de préparer, je mets un indice. C'est juste incroyable ce qui va arriver. Pourquoi tu pleures? Mais c'est pas encore sûr que tu partes. Certes, dans le sondage, t'as perdu, mais on va le refaire, Asya. Non. Ça va me refaire un sonner dans les cas. Mais non, Asya. C'est toi qui m'as fait changer. C'est moi qui t'ai fait changer. Je reviens. Elle a chanté cette histoire d'élimination. Asya, ça fait deux jours qu'elle pleure, voilà. Et c'est pas mon rôle de faire pleurer les gens, moi, voilà. Mais c'est moi, je savais pas que ça allait tomber sur elle, la chanté. C'est moi qui ai dit qu'il y avait trop de monde et qu'il devait avoir une personne qui part. J'ai l'honneur cette année d'être invité au Marahba Expo. Ouf, la chanté, c'est je crois, et Farah.
les organisateurs de Marhaba, ça va être... Si t'as une marque, plusieurs vont être... C'est un acompte. Ça veut dire que là, il y a la moitié de la somme. Demain, tu me le mets KO. Juste, tu gagnes. Je te rajoute le double de ça. Ça, c'est rien. Wallah, El Adem, la chanté. Wallah, c'est lui qui m'a forcé. Je comprends plus rien. Wallah, il y a un frère Muse, la chanté. Un frère Muse qui s'amuse. Un frère Muse qui s'amuse. Et quand tu peux, chacun son parapluie. Tellement d'inspiration qui déborde que je peux remplir ta baignoire avec de ma transpiration. Soit t'es comme Manchester, soit t'es comme Manchester, soit t'es gouverneur, soit t'es gouverné, soit t'es dominant, soit t'es dominé, soit tu vis tes rêves, soit tu rêves de vivre, soit t'es acteur de ta vie, soit t'es slave de ta vie. Ah, voilà, vas-y, je comprends plus. C'est pas monde, moi. Voilà, attends, frère Muse, voilà la chanté, viens. Regardez la chanté, il a ça. Mashallah, tu fais la prière, tu fais tes 5 prières par jour et tu t'es lancé dans le rap. Et tu veux me faire écouter ton son. Voilà, et je vais. C'est haram, mon frère! C'est qu'Allah nous guide, qu'il nous pardonne et quand tu peux, chacun son parapluie, mon frérot. Je sais pas quoi te dire, j'ai faim, frérot, faut que j'arrache tout, je fais les millions, après je me barre à Mecca. La chanté, Wallah El Adem, hein. Wallah, c'est lui qui est venu me voir. Il m'a dit, si tu le fais pas, tu vas pas soutenir les frères. Je vous jure, Wallah El Adem, je me suis embrouillé avec lui. Avant ces stories, je me suis embrouillé avec lui, je me suis pris la tête. J'ai pas pensé, mon frère, jette-moi ta story. Oh, je suis nullement responsable, moi, Wallah. Écoute, t'as vu là? Ouais. Je vais écouter un son. Ouais. Lui et moi, on va écouter un son ouais, à toi. Ouais. Et je vais dire réellement ce que j'en pense. Ok. D'accord? D'accord, mais tu vas en mettre 3, mon sang, voilà. 3? Exactement, Mouloud. Tu veux que j'en écoute 3? Exactement, Mouloud est cité en toute banalité, comme la gueule de roue qui tourne sur les Champs-Élysées. Ah, vas-y. Mets 300. Vas-y. Deuxième son. T'as dit, mon genou, donne-moi la force nécessaire pour me faire le million d'euros. Ouais, frérot, j'ai faim, voilà. Ah, mais starfollow, mon frère. T'es en train d'invoquer des. Vas-y. La plus forte pour les gangsters. Mais ils donnent même pas Warda et leur mère. J'avais 12 biches, j'ai grandi sous le pavé. J'ai capté rapidement que c'était pas du plus belle la vie. Je vendais. Vous une vérité qui fait mal qu'un mensonge à deux balles, je râle, je traîne dans les. C'est pas ça, calme-toi, calme-toi. T'as vu ton rap? Je prends pire ta baignoire de ma transpiration, mon gars, va voir les grands bigraves. Ah, mais stop, les gars. Ça y est, stop, viens. Regarde, je vais dire ce que je pense de ton rap. Franchement, ton rap, il est hardcore. Mais j'adhère pas. J'adhère pas à ce que tu dis. J'adhère pas à ton truc. J'espère que tu m'en veux pas. Oh, c'est bon. Je suis pas un hypocrite. Les vrais reconnaissants. 918 000 vues. Coco? Voilà. Et la chanté, il y en a beaucoup, ils disent ouais, Coco, elle est là grâce à Nasdas. Regardez, ça fait longtemps qu'elle est plus avec moi et elle fait presque 1 million de vues. C'est vrai, je donne tout. Elle donne tout. T'as fait trop de dégâts, dis-moi comment faire. Pourtant, j'ai cru en.